un coup franc. Mais quand t'as une équipe de 30 mecs, bah voilà, il y a des groupes, il y a les Brésiliens entre eux. À l'époque de Pierre Ducrot, bah il y avait peut-être les jeunes du centre de formation. Tu veux que je te dise à mon époque. À l'époque de Duga, à Barcelone, il y avait les mecs de Barcelone qui parlaient pas aux étrangers, j'en sais rien. Gilbert, à mon époque, toute proportion gardée, il y avait Rai, capitaine du Brésil, qui depuis 3 ans ou 4 ans au PSG tirait les pénaltys. C'était le tireur de pénalty, d'ailleurs, il est tiré très très bien. Marco Simone, toute proportion gardée, c'était pas Neymar, mais il est arrivé, c'était quand même la grosse star qui arrivait cet été-là. Il voulait tirer les coups francs et les pénaltys. Attends. Les pénaltys, il les a jamais tirés, Marco. Et il a même pas essayé. Écoute, basta, à Barcelone, j'ai voulu tirer les pénaltys à Barcelone, ils ont jamais voulu. J'ai toujours pas compris pourquoi. Et je peux te garantir que ça a mis la merde dans le vestiaire. Une énorme merde. Voilà, ça crée des tensions et on a fait une saison pourrie. Voilà, ça a déclenché. Je peux te garantir, ça a été terrible pour le club. Terrible. Non, mais j'ai écouté Franck tout à l'heure, ça a été brillant. Là, je suis désolé, je suis obligé de préciser que c'est du second degré. Si on va y avoir des sites, du Gary, a foutu la merde au Barça, à cause des pénaltys. Enfin bon. Non.